se passe? À avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre. Putain. Le concert, Kerry. Hein? Alors, on est pressé? Regarde-toi, tout tendu et plein de sueur. Dommage que ça se résume qu'à ça. Quoi? C'est pas assez zen pour toi de fumer après le sexe? Faut aussi réécrire l'art de la guerre? C'est fini, Johnny. Nous, tout ça. Mais je pouvais pas disparaître comme ça, sans un mot. Alors vas-y, parle. T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Putain, t'as décidé de me faire chier aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Comment tu peux manquer autant de subtilité? C'est bizarre pour un artiste. Ça baignait entre nous, mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais c'est qu'un gros mensonge. Ce concert, Samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ouais, c'est ça, je vois. T'aimes reformater tes mecs, hein, c'est ça? D'autres ont essayé, tu peux me croire. Franchement, tu crois que j'ai pas mieux à foutre? Je voulais juste te faire comprendre que tu te berces d'illusions. Et que ça tient qu'à toi de changer les choses. Tu nages en plein délire. On est là pour baiser comme des lapins, pas pour me psychanalyser. On va en rester là pour aujourd'hui, hein? Tu peux te casser. Tu sais,
Je me disais... Je veux plus t'entendre. Pigé, ferme-la, pour une fois. T'es vraiment un cas désespéré. Tu sais que dalle sur moi. Y a que ça entre nous. Rien de plus. Hey, où tu vas? J'ai un rendez-vous. Silverhand! Hey! Trop fort Alt. Le son, Choum! Arrête. Garde ta salive. Don't kill me, cause I'm zeros and ones. On donne un autre concert, hey, demain. Oh, merde. Mm-hmm. Down the rebel path. T'auras qu'à passer si tu veux. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Barrez-vous. Oh, oh, c'est un sanguin, ton mec! Vraiment pas raté. Allez, réveille-toi. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Ça fait quoi? 2 semaines depuis ton dernier rafistolage. Ta sale gueule m'a manqué. Ah! Foutaise. T'aurais au moins pu me passer un holocall. Pommard de mes deux. T'étais censé revenir pour ton suivi. J'aime ce gamin comme un fils. Ouais, je vois ça. Alt, elle est où? Qui est où? La femme qui était avec moi. Il m'a ramené que toi. Merde, ils l'ont emmené. Personne n'a rien vu? Demande à ton sauveur. Il dit qu'il s'appelle Thompson. C'était toi? Là-bas, sur Watts? Il faut qu'on parle. Bon. J'ai recollé comme j'ai pu. Mais ça devrait tenir. Repose-toi un peu. Quelques heures. Le temps que les sutures prennent. Ah. Johnny. Ah, et puis merde. Tu m'écouteras pas de toute façon. Qu'est-ce que t'as vu? Pas grand-chose de plus que toi. C'est elle qui le voulait. Toi... T'étais au mauvais endroit. Et toi, t'es resté là comme ça, la bite à l'air, à mater comme un con en rêvant de demain. On se serait fait larder tous les deux si j'étais intervenu. T'as vu les réflexes du Zig? Non, bien sûr, il était trop rapide. Ce genre de tech, ça se trouve pas dans une poubelle. Bon. Tu veux quoi? Tu cherches un scoop? De quoi alimenter les infodocs? C'est pour ça que tu m'as ramassé sur le pavé? Non. Je le tenais, mon scoop. Mais des Zig l'ont balancé au fond d'un van avant de filer. Tu comptes... faire quelque chose pour elle? C'était bien ta femme, non?
L'enlèvement d'Alt, c'est un dommage collatéral. Ils l'ont prise pour m'atteindre. Tu sais même pas comment elle gagne sa vie, hein? C'est une des meilleures runners au monde. Et après, il y en a d'autres. Non, son seul lien avec Arasaka, c'est qu'elle couche avec Johnny Silverhand. Elle bossait pour ITS ces derniers temps. Elle leur a écrit de la glace noire de compète. Impossible à contourner ou à dupliquer. C'est elle qu'Arasaka voulait. L'enlèvement était un échange intercorpo standard. Rien de plus. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Le tueur d'âme, une IA. Ça te dit quelque chose? Ouais, un peu. Une légende urbaine avec un nom vraiment pour âme. Vigour, le tueur d'âme existe. Et Tetsumba d'Arasaka viennent de recruter la runner qui l'a écrit. Tu réalises? Arasaka avec le tueur d'âme dans leur poche. Y a de quoi s'inquiéter. Imagine un peu, Rocker Boy. Arasaka va devenir invincible. Le tueur d'âme va refroidir tous les runners qui se risqueront à lui gratter la glace. J'ai déjà vu ça. La viande, le... Cool, tu me raconteras le reste en chemin. T'y crois pas vraiment, c'est ça? C'est un coup vieux comme le monde. Arasaka voulait me provoquer. Et ça a marché. Bon alors... Est-ce que tu viens? Hein? Où ça? La tour Arasaka. On va récupérer Alt. Quoi? À deux? T'as complètement perdu la boule? Ouais. Si tu viens, je te laisserai me regarder de loin. On dirait que t'as l'air d'adorer ça. T'attends dans la caisse, mais pas trop longtemps. T'attendras aussi longtemps qu'il faudra. Elle est où, Rogue, bordel? Assis. Pas bouger. Autographe sur une facture, là. T'as pas vu Rogue? Et en haut. Mais je croyais que vous deux... Ouais, bah t'as du mal comprendre. Putain de merde! Hey, Johnny, tu me files un coup de main? Je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais? Bah là, je te parle. Et maintenant? Maintenant, tu peux aller te faire mettre. À qui il a causé? Un nom, c'est tout ce que je te demande. J'en ai aucun souvenir, désolé. Et avec ça, elle te revient la mémoire? Johnny! Comment est-ce que tu vas, Engels? Il y a une réunion en cours, c'est privé. Est-ce que Rogue est là aussi? Ouais, mais... Ouais, je sais, réunion privée, j'ai entendu. Je te promets d'être super discret. Est-ce que je peux détester cette ville de merde? Je hais ces fixeurs sournois. Et ce putain de bar. Johnny. Je te connais pas. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que tout le monde connaît Johnny Silverhand. Rogue, ça alors, ça c'est une surprise.
On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Tu m'en veux toujours pour cette histoire ? De quoi tu parles, Johnny ? Du fait de m'avoir menti sans sourciller ? D'avoir mis en jeu la vie de mes amis ? Ou du fait que tu tringlais trois autres femmes dans mon dos, alors qu'on était encore ensemble ? Ok, on a eu une histoire compliquée. Mais là, franchement, on n'a pas le temps pour les sentiments. Moi, j'ai tout mon temps. J'ai un boulot, un truc qui urge, mais je les ai dit. Combien ? Te mêle pas de ça, c'est pas tes oignons. Si, depuis que le Rocker a sorti son larfeuille. T'as pas compris ? Il est pas du tout là pour le boulot. Il vient me faire chier ! La dernière fois, sois plus maligne cette fois. Demande le pognon d'abord. Alors, le Rocker, combien ? Je vous offre le double du prix habituel. Le triple. Et tu nous accompagnes. Si elle te fait pas confiance, alors moi non plus. Bon, ben je vais aller faire affaire ailleurs. Attends. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny ! T'as pas remarqué que t'étais suivi ? Monsieur Silverhand, vous allez venir avec nous. Pas de problème. Je finis juste mon verre. C'est très possible ! Au boulot ! Putain, quelle popularité ! Jette ton arme ! Neutralisez-le ! Un hélico ! Sérieux ? T'as fait chez qui cette fois, Johnny ? Arrosez-le ! Vous voulez jouer comme ça ? Tu l'as pas volé. Ça va prendre encore longtemps. J'ai des montagnes d'emmerde. Parlez ce que vous voulez qu'il y en aura d'autres en bas. On est garé devant. Tu viens ? Thompson m'attend dans la voiture. Qui ça ? Un journaleux. Tu le connais pas. Neutralisez la cible ! Vous êtes mort, raclure de corpo !
ça? On se fait vite l'ours de fer. Qui on doit faire sortir de chez Arasaka? Alt Cunningham, une Netrunner d'ITS. Ah. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmenée. De mieux en mieux. Vous comptez vous y prendre comment, les Pommards? L'un de vous a un plan? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. Nance, elle saura comment rameuter du monde. Je l'appelle. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Ce sera un concert mémorable. Nous n'avons pour l'heure aucune information sur le nombre exact de blessés lors des émeutes. Mais nos reporters sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis. Un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial! T'es en train d'enregistrer tout ça? Pourquoi? Tu veux faire une dédicace à tes potes? Fais ce que t'as à faire, mais te mets pas sur ma route. Thompson, tu le connais bien? Non. C'est important. Il m'inspire pas confiance. Et les médias, ça porte la poisse. Hein? Ça craint. Imagine qu'on trouve une vidéo après. Une vidéo de nous forçant l'entrée de la tour Arasaka. On s'occupera de ça si on survit. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Combien? L'ordinateur central. Il faut qu'on trouve un. Donnez-moi une seconde, je m'en charge. Couvrez-moi. Réglons ça rapidement. Prépare-toi. Il y en a quatre qui restent. Encore 5 secondes et on entre.
prêt. Alors, il y a des candidats? Non? Contact! Contact! Attention, j'arrive! De ne pas la déranger. Qu'est-ce que vous avez fait à Alt? Lui offert le projet de sa vie. Dégage de là. Alt. Alt. Allez, me fais pas ça. Elle est... Putain! Qu'est-ce que tu fous, là? Putain, tu filmes encore? Ça ne changera rien. Elle est... Tony! Arrête, Tony! Tu vas le tuer! On peut partir. Johnny, elle est morte. Crache ce que t'as à dire. Waouh. Tu visais le prix du trou du cul de l'année. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alt, tu l'as traité toujours comme de la merde? Je t'interdis de parler d'Alt. Putain, on dirait que t'as pas vu la même chose. J'ai détruit la tour Arasaka pour elle, bordel. Je me demande bien pourquoi. Je veux dire, tu lui as dit qu'il y avait rien entre vous. Tu lui as dit que si tu faisais attention à elle, c'était juste pour la baise. Putain, mais t'as pas entendu ce qu'elle m'a dit? Elle pouvait juste partir, mais non, il fallait d'abord qu'elle me les brise. Tu t'es jamais dit qu'elle avait peut-être raison?
t'es de son côté. C'est quoi, ça? L'union fait la force? T'as vraiment pas changé. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? En y repensant attentivement avec le recul, y a rien qui te saute aux yeux? Non. Mais j'ai une impression de déjà-vu. T'es aussi casse-couille qu'elle. Je comprends pas pourquoi tu veux pas lâcher l'affaire, putain. C'est parce que tu veux la retrouver. Tu veux demander l'aide de Halt. Mais Johnny, tu joues pas en solo. Comment t'espères que Halt pourra nous aider? Je l'ai vu se faire buter. Elle est pas morte. Elle est partie, envolée. Bah, il semblait qu'elle était... Elle s'est enfuie sur le net. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Mais qui pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est, derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à le percer. Juste pour contacter Halt, pour lui parler. Alors, on a peur d'être dépassé. Un fragment de l'engramme de Silverend. Maintenant, on est prêt à contacter Halt. D'abord, on doit aller plus loin. Au-delà, il n'y a plus de frontières. Au-delà du monde. Plus de gens sont passés de l'autre côté. Aucun n'en est encore revenu. Sera la première. J'ai fait ma part du marché. À votre tour. Avant de traverser ce mur, vous allez me retirer la psyché de Johnny. Nous n'allons pas le traverser. C'est toi qui emmèneras le code de votre côté. J'ai pas vraiment le choix, on dirait. Vas-y. Brigitte ? Traverser le mur noir pour me voir. Ça veut dire qu'entre toi et moi, ça va? Tout va bien? J'ai reconnu le code de ton engramme. Mais j'ignore pourquoi tu es là. Pour que tu puisses me remercier de t'avoir sorti de la tour Arasaka. V, je te présente Halt, la meilleure netrunner de l'histoire de Night City. Halt, voici V. Il faut que tu lui sauves la vie. Cette puce, la relique, elle est en train de me tuer. Le construct sauvegardé dessus écrase mon système neural. Je vois ça, mais en quoi cela me concerne-t-il? Il faut qu'on te l'explique. C'est toi qui as créé le tueur d'âmes. T'as donné à Arasaka une arme surpuissante qui nous a détruits. Toi, moi et la moitié des runners de Night City. Tu es le seul responsable de ta mort. Putain, Halt, j'ai plongé à ta recherche.
Tu vas me dire que t'en as rien à foutre, c'est ça? Oui. La halte Cunningham que tu as tout fait pour sauver dans la tour Arasaka n'existe plus. Ça devrait te sembler évident, puisque tu es responsable de sa mort. Ok, je comprends, tu détestes Johnny. Mets-moi là-dedans. Je ne peux pas t'aider. Tu peux pas ou tu veux pas? Je ne peux pas. Pour pouvoir essayer, il faudrait que j'aie accès à une technologie plus avancée. Intéressant. Brigitte prétendait être la seule à pouvoir m'aider. Les Voodoo Boys t'ont menti. Ah, pourquoi ça me surprend pas? Bon, et Mikoshi, t'en dis quoi? Ce serait assez avancé pour toi. Si j'avais accès à Mikoshi, alors elle cesserait d'exister. Bien, on va pouvoir s'entendre. On te fait entrer dans Mikoshi et tu es élevé. Marché conclu. Concrètement, tu peux faire quoi pour moi? Avec le tueur d'âme intégré dans Mikoshi, je créerai un construct de toi, puis je démêlerai ton réseau neural de celui de Johnny. Ensuite, je réinjecterai ton engramme dans ton enveloppe charnelle. Bon, on a un plan alors. Mais comment atteindrez-vous Mikoshi? J'ai créé des armées qui ont échoué à s'y introduire. C'était des enfants, Jeanette. C'est ça le problème. Nous, on mise sur le facteur humain. On va ouvrir une fenêtre, te faire entrer dans Mikoshi. Alors, on est d'accord? Oui. Trouvez un moyen d'entrer dans Mikoshi. Je vais préparer un programme pour vous aider à naviguer sur leur réseau local. Je te contacte comment quand je suis prête? Voici une adresse de forum. Ce sera notre canal de communication sécurisé. On fait quoi pour les Voodoo Boys? Ils ne te feront rien. C'était nos conditions.